L'écrivain royal Angela Levine a affirmé que le prince Harry et Meghan Markle mettaient la reine dans une position difficile en lui demandant d'assister au baptême de son arrière-petite-fille Lilibet. Meghan Markle et le duc aimeraient que leur fille soit baptisée dans la chapelle Saint-Georges, tout comme leur fils Archie, a-t-on appris. En raison d'engagements antérieurs, Sa Majesté n'a pas assisté à la cérémonie de Windsor 2019. Cela, dit l'auteur royal Angela Levine, rend difficile pour Harry de s'attendre à ce que la reine soit au grand jour de Lilibet. Point. Elle pense que la reine n'est pas toujours vue lors de tels événements parce que les enfants ne sont pas assez proches de la couronne. L'écrivain a déclaré à Talk Radio, cela la met dans une position très difficile car elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas libre pendant des années. Elle n'est pas allée chez Louis, le troisième enfant du prince William et de Kate. Ce n'est donc pas une chose malveillante. Mais un doute a été jeté sur le lieu après l'annonce du livre Bombe de Harry. Le duc de Sussex travaille secrètement sur un mémoire depuis près d'un an, a-t-il été révélé. Le palais de Buckingham craint d'autres révélations explosives après qu'il a été révélé que Harry s'était associé à un écrivain puissant américain. Une source proche de la famille a déclaré au Mirror que la pensée du livre avait déclenché un tsunami de peur dans les cercles royaux. Les mémoires sont une autre entreprise lucrative que Harry, 36 ans, a entreprise depuis qu'il a quitté la famille royale et s'est installé en Californie. Dans une déclaration confirmant le livre, le duc a déclaré « J'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu'homme que je suis devenu. » J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que Jai a pris au cours de ma vie jusqu'à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. Une source a déclaré au Daily Mirror que le livre avait semé la peur dans la famille.